Alors ce soir, vous allez vous diriger plutôt vers Campo dello. 19h, Marie-France, référente de la Croix-Rouge ajaxienne, briefe une dernière fois ses équipes avant le début de la maraude. L'été, les bénévoles sont peu nombreux, à peine une dizaine, contre 40 en hiver. Pourtant, contre toute attente, c'est bien en cette période de canicule que les sans-abri ont le plus besoin d'attention. La période chaude est pire pour les gens qui sont dans la rue. On fait les grands froids, on s'inquiète quand il fait froid, mais les désorientations, les déshydratations, tout ça, c'est en plein été. Et ces gens-là n'ont pas assez d'endroits de fraîcheur pour se réfugier. La maraude vient tout juste de débuter. Le téléphone sonne déjà. Oui, on va. Oui. Oui, ça va bien, oui. On est en train de faire les boulangeries. Ouais. Ils sont pas aux jours. Quand il y a vraiment ce qu'il faut, parce qu'on n'a pas mangé depuis le jour. Il n'y a pas eu de maraude, je sais. Oui. Des appels comme celui-ci, le SAMU social en reçoit en moyenne une dizaine chaque soir. Mais avant de pouvoir aller au contact des bénéficiaires, les bénévoles doivent faire le tour des boulangeries pour récupérer nourriture et boissons fraîches. La nuit est tombée. Dans la rue, la misère montre son visage. Jean-Laurent n'a pas assez de revenus pour se loger, alors il a élu domicile dans sa voiture. Pour le retraité, l'aide de la Croix-Rouge est une nécessité. Bon, heureusement qu'on a ça, hein. Parce que si on n'a pas ça, on ne sait pas comment on s'en sort. Hein. C'est pas avec 400 euros qu'on peut s'en sortir. Cyril, lui, n'a même pas 30 ans et depuis 2 ans, il tente de survivre. On essaie dans toutes les manières d'essayer de se dépanner à droite, à gauche, mais à chaque fois c'est un peu dur. Heureusement que des fois ils sont vraiment là. Une détresse à laquelle Henri, bénévole depuis quelques mois, ne s'attendait pas. Je ne connaissais pas, moi. Enfin, je connaissais Ajaccio la journée. Quoi. Donc oui, on envoie un petit peu la journée, mais enfin, je ne savais pas qu'il y en avait. Pour moi, il y en a beaucoup. Enfin, il n'y en a pas comme sur le continent, mais il y en a quand même pas mal. Il est presque 23h, nous abandonnons la maraude. Mais pour la Croix-Rouge, la soirée est loin d'être terminée.